Et salut tout le monde. Hello everybody. Ça y est, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait 4 mois qu'on est parti avec Charlie. C'est notre deuxième van aménagé. Du coup, notre deuxième expérience dans d'autres pays, dont la Norvège où on est là actuellement. En ce moment, on est au Lofoten. On est arrivé hier, donc on est tout au nord et on va direction bien évidemment le Cap Nord. C'est pour ça que je fais cette intro dans le van parce qu'à l'extérieur il pleut encore. C'est vrai qu'on a quand même de la chance, on va dire, d'avoir un van plus grand que Express, notre tout premier. Voilà, donc on vous fera une petite vidéo pour vous parler un peu de ce petit bilan, un petit peu de qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, de comment ça se passe la vie en van dans ce van là. Ça fait un peu long là pour une intro. Pour ceux qui sont intéressés par la Norvège, parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo quand même, on vous fera un article sur notre blog avec les lieux à ne surtout pas manquer en Norvège. Et bref, comme on te l'a indiqué dans le titre, aujourd'hui, on t'emmène dans cette vidéo pour monter la route des trolls en Norvège. Trollstigen en norvégien, si je le prononce bien. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse dans cette vidéo. Les amis, le défi du jour que Mathis se lance, il va tenter de monter la route des trolls en Norvège. Mais attends, tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette route ? Trollstigen, c'est une des routes les plus visitées de Norvège. Située à côté du célèbre fjord de Geiranger, c'est l'une des routes les plus impressionnantes qu'on ait vues ici. Elle est surnommée par les Norvégiens l'échelle des trolls. Il va tenter de la monter avec Billette. Billette, c'est elle, notre petite moto bécane de 1967 qui voyage avec nous dans ce deuxième road trip. Bah, on vient de la descendre avec Charlie. D'ailleurs, j'en ai profité pour me sécher les cheveux. Et on s'est dit que c'était cool de vous faire une vidéo parce que je suis pas sûre qu'il y ait vraiment beaucoup de mobilettes qui soient montées là-haut, à la route des trolls. Ouais, on va voir si ça monte. Ouais. Je ne vais pas y aller avec lui, c'est pas possible. Mettre plus de 100 kg sur Billette pour la monter, ça va être compliqué vu que c'est 10%. On va voir si ça monte. Alors déjà, premier ressenti, je peux vous dire que ça pue l'essence. En tout cas, je l'entends d'ici. Je pense que ça va le faire. Et puis en route, il va croiser aussi les copains qui sont en train de descendre. Je crois que c'est eux, parce qu'en fait, ils ont un van jaune. Donc en même temps, il n'y a pas 500 000 vans jaunes qui descendent là, Trollstigen, maintenant. Ah, c'est cool. J'essaie de filmer en même temps. Bon, en fait, vous allez suivre ça parce qu'on a mis la GoPro sur son casque. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça en direct. Ça va être trop cool. Alors ? Elle est montée nickel. Ah ouais ? Ah ouais ?